Le soir, dans mon lit, je relus le message de Lily et son autographe me parut si comique que je ne pus m'empêcher d'en rire. Mais je compris tout à coup que tant d'erreurs et de maladresse étaient le résultat de longues heures d'application et d'un très grand effort d'amitié. Alors, je me levai sans bruit, sur mes pieds nus. J'allumai la lampe à pétrole et j'apportai ma propre lettre, mon cahier et mon encrier sur la table de la cuisine. Toute la famille dormait. Je n'entendais que la musique du filet d'eau qui tombait dans le couvre-tison au-dessus de l'évier.